vous sentez inconfortable, que vous pouvez, enfin, vous avez des peurs. Vous pouvez travailler sur ce point, vraiment, au milieu. Vous voyez, à la cassure du poignet, sur ce point. Et pareil, de l'autre côté, de vraiment, vraiment au milieu, si vous tracez une ligne, c'est au milieu, ici, à la cassure du poignet. Et par exemple, là, j'ai le poignet gauche avec index majeur de la main droite. Je vais tapoter comme ça. Et on est parti, 150. J'ai des voisins bruyants au-dessus. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Vous tapotez. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. Voilà, et pareil de l'autre côté, c'est la même chose, donc vous pourrez faire de l'autre côté également. Alors, ces points sont intéressants parce que vraiment, c'est un peu les points d'urgence, entre guillemets, quand il y a une situation qui nous perturbe. Et c'est finalement assez discret, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de l'employer, vous pouvez l'employer chez vous aussi, hein, il n'y a pas de contre-indication. Mais voilà, on n'a pas besoin de s'allonger, on n'a pas besoin de partir en grande relaxation. Imaginons que vous êtes dans une situation où vous devez parler, exposer quelque chose devant des gens, discuter, je ne sais pas, de votre augmentation de salaire par exemple. Bien, peut-être vous pouvez faire ça avant d'aller voir cette personne parce que ça calme vraiment et ça permet de se recentrer immédiatement. Il ne faut pas oublier que dans notre corps, selon la médecine traditionnelle chinoise, nous avons des méridiens qui véhiculent les informations et il y a des points qui sont directement reliés au cerveau et tout ce qui est cognitif. Donc, et bien sûr, émotionnel, etc. Donc, c'est intéressant de pouvoir s'en servir comme un peu un kit anti-stress face à certaines situations.